Bonjour, allez, on est en live, on va commencer de belles recettes. Aujourd'hui, on travaille avec Carrefour. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que Carrefour, depuis très longtemps, travaille sur la transition alimentaire. Et là, ce soir, on va faire quelque chose de très particulier. On travaille que du végétarien. Donc, je vais vous emmener cuisiner avec moi. Alors, petite parenthèse, si vous voulez retrouver tous les ingrédients, tout ce qu'on fait, vous allez sur carrefour.fr, vous aurez absolument tout. Les recettes qu'on fait ensemble, alors, on travaille avec 6 marques et on s'est associé ce soir avec WWF pour justement limiter fortement les protéines animales. Donc là, on est sur du végétal, je vous promets, on va faire tout végétal. On est en live pour 2 recettes. La première, c'est un risotto et moi, j'ai la chance de travailler avec des bouillons de légumes Knorr qui sont vraiment des produits très très bons. On va les utiliser tout de suite. On va démarrer notre bouillon, vous allez voir, c'est très facile. Alors, c'est parti. Vous avez été voir sur carrefour.fr, vous avez tous les ingrédients. Comme ça, moi, je n'aurai pas à tout lister au fur et à mesure. Première chose, je vais préparer ici mon bouillon. Pour faire mon bouillon, j'utilise ici les petits bouillons de légumes. Très facile à faire. Je le mets dans l'eau. J'en ai 2, vous verrez le deuxième après. Pour l'instant, je le mets dans l'eau. Et je démarre ma cuisson. Utiliser ces bouillons, c'est intéressant parce qu'ils sont vraiment très riches en saveurs. Et pour cette fois, je suis certain que j'ai des produits qui sont 100% naturels. J'ai vraiment quelque chose qui a du goût. J'ai déjà fait une petite mise en place tout à l'heure. Ça sent comme chez ma grand-mère quand elle faisait la soupe. Donc j'ai vraiment ici un bouillon qui va être très bon. Et on va démarrer notre risotto. Première chose à faire pour le risotto, une bonne huile d'olive. Alors, pas trop, parce qu'on n'est que sur des recettes Nutri-Score A ou B. On fait vraiment attention. Et donc, dans mon huile d'olive, je vais ajouter mes oignons qu'on a ciselé, donc vous les coupez en petits cubes rapidement. Dans mon huile d'olive, j'ajoute mes oignons. C'est pas la peine d'avoir une huile très très chaude. Pour faire le risotto, on a besoin d'avoir des oignons cuits, mais pas rissolés. Je cherche à ce que mes oignons soient commencent à être translucides. Je fais la vaisselle en même temps. Donc, hop, je vais ajouter un tout petit peu d'huile d'olive. Voilà, là on est bien. On a besoin d'un peu d'huile d'olive parce qu'après je vais ajouter mon riz. Si vous voyez mon bouillon, en fait, j'ai même pas besoin de le mélanger, il se dissout tout seul. Allez. Voilà. Je vais faire suer gentiment mes oignons. Et après, je vais ajouter mon risotto. Alors le risotto de ce soir, c'est légumes verts. On va travailler avec des brocolis et des petits pois. Pas de sel, j'ai pas besoin d'ajouter du sel, mon bouillon est déjà parfaitement assaisonné. Peut-être s'il le faut un tout petit peu de poivre et on terminera ça avec le parmesan et les pignons de pin. Voilà. Donc mon oignon est en train de cuire. Je prépare mon riz. Alors le riz que vous utilisez, c'est forcément du riz rond qui contient un peu d'amidon parce que c'est lui qui va donner cette texture au risotto, cette consistance crémeuse. On n'ajoute pas du tout de crème. Vous allez voir, ce qu'on fait ce soir, c'est facile, c'est rapide, c'est sain et c'est pas très cher. Donc, ce sont des recettes vraiment agréables à faire. C'est une bonne alternative aux protéines animales. Alors, je vais vous donner une petite astuce sur le risotto. Quand je mets mes oignons à cuire comme ça, souvent, ils sont pas tout à fait cuits. À la fin, je les retrouve un petit peu croquants dans le risotto. Moi, j'ai un copain italien qui m'a expliqué qu'en fait, il ajoutait un petit peu de bouillon. Voilà, juste un peu, très très peu. Et on va faire tomber réellement ces oignons comme ça. Donc mon bouillon va s'évaporer rapidement et mes oignons seront prêts. Donc si vous voulez avoir un bon risotto, vous commencez par faire suer vos oignons et ensuite vous ajoutez le bouillon. Alors si vous prenez maintenant et que vous me voyez mettre du bouillon dans les oignons, on fait un risotto avec les produits Carrefour ce soir. Je n'ai pas mis le riz, mais c'est volontaire. Là pour l'instant, je vous rappelle, je vais juste bien cuire mes oignons. Le risotto, c'est une technique pas très compliquée. Ça va vous prendre environ 20 minutes, mais il faut rester devant. Il faut le travailler délicatement et il faut rester en face. Ça y est, l'eau s'est évaporée. Je n'ai plus que mes oignons cuits, mon huile d'olive, puisque j'ai enlevé l'eau, il reste à nouveau l'huile d'olive, et j'ajoute le riz. Je mets mon riz en pluie et maintenant je travaille. Alors l'opération que je suis en train de faire, ça s'appelle nacrer. Ça veut dire que je vais enrober mes grains de riz de matière grasse. C'est très important de les enrober de matière grasse parce qu'en fait, ça va permettre que l'amidon qui est dedans se libère doucement dans mon bouillon Knorr. Vous avez vu, j'y ai pas touché. Il est déjà mélangé, il est prêt.
pour savoir si vos grains de riz sont prêts, en fait, c'est vraiment à l'œil. Vous regardez vos grains de riz, il faut qu'ils soient brillants. Vous ne devez pas avoir de petites parties blanchâtres sur votre riz. Quand il est bien brillant, c'est pour ça qu'on dit nacré, un peu comme l'intérieur d'un coquillage, vous avez le riz qui est prêt. On va commencer à le mouiller au bouillon. Alors aujourd'hui, on a choisi un risotto légumes verts. On a les petits pois, on a les brocolis, mais vous mettez ce que vous voulez. On peut mettre tous les légumes de saison. On peut mettre un petit peu de potiron quand c'est la période. Là, on va bientôt arriver, on a des belles asperges. Vous faites un risotto asperges. Tout se marie avec le risotto. Allez, moi, je peux commencer à ajouter mon bouillon. Ce qui est important, c'est que je mets du bouillon chaud. Alors, au début, écoutez bien, vous allez comprendre pourquoi ça marche. Ça y est. À partir du moment où j'entends ce bruit, c'est que mon récipient était chaud et je peux y aller, j'incorpore le bouillon. Alors on ne va pas incorporer trop de bouillon, on en met un petit peu, il faut qu'on arrive toujours à hauteur du riz à peu près. Et on fait retomber délicatement le riz qui est sur les parois. Voilà. Chaque fois que je suis en live, je regrette que vous n'ayez pas l'odeur parce que là ça sent vraiment, ça sent quasiment la soupe de légumes. Donc, petit détail, quand vous faites le bouillon avec le bouillon de légumes Knorr, si vous en faites un peu trop, on ne jette pas, on met au frigo et vous avez une super base de légumes pour cuire vos pâtes, pour faire une purée. Ça marche à tous les coups, surtout ne gaspillez pas. Et on y va. J'ajoute tranquillement mon bouillon. Voilà. Hop. Alors au début, je peux le mélanger comme je veux. C'est-à-dire que comme mon riz est assez dur, puisqu'il n'est pas cuit, je peux le mélanger, alors pas trop chaud, voilà. Il faut que ça frémisse gentiment, je suis à hauteur et ça frémit gentiment. Donc pas trop chaud, on mélange et on laisse cuire. Le liquide va s'évaporer et on va en remettre au fur et à mesure. C'est comme ça qu'on a un risotto qui sera bien cuit. Alors, moi, mon risotto, bien évidemment, je ne vais pas vous le faire cuire pendant encore 12 minutes. J'ai fait un peu de mise en place, parce qu'en live, ça va être long. Mais vous avez vu, je laisse cuire gentiment et je vais obtenir très rapidement ce produit. Voilà. Hop. Je vais mettre celui-là sur le côté. Voilà. Celui-là a déjà cuit. Alors, on est à quasiment 12 minutes de cuisson, voilà, et là je vais rajouter un petit peu de bouillon et mes légumes. Donc on remouille à hauteur, voilà, et on va ajouter maintenant les brocolis. Alors mes petits brocolis, je les ai taillés pas trop gros parce qu'en fait, comme on est sur des produits à base de végétaux, on veut vraiment avoir le goût du végétal. Donc, j'ai pas blanchi mes brocolis, je les ai pas fait cuire à l'eau, je les ai juste mis comme ça. On les met crus et ils vont cuire dans le risotto. Ça, c'est fait. Les petits pois sont déjà prêts, je les ajoute gentiment. À partir du moment où vous avez mis vos légumes, il faut travailler doucement et délicatement. Je vais donc utiliser ma spatule, non pas avec le plat, mais avec le tranchant. Voilà. Hop. On va le couvrir et on poursuit la cuisson tranquillement. Ça va nous faire quelque chose. Je fais attention à ne pas brûler le plateau quand même. Voilà. Ça va nous faire quelque chose qui va être cuit, onctueux. Le bouillon Knorr est lié avec l'amidon de mon riz, donc c'est ce qui nous donne le début du risotto. Maintenant, il me reste deux produits à mettre. Alors, vous savez que traditionnellement, on termine le risotto avec du beurre et du fromage. Là, nous, on va faire quelque chose d'encore plus onctueux. On va utiliser le bouillon de légumes, qui est le bouillon de légumes Knorr, qui, lui, ne nécessite pas d'eau. Tout à l'heure, on l'a mis dans le bouillon ici pour faire la base de mon risotto, mais ce bouillon n'a pas besoin d'eau, en fait. Il fond tout seul. Donc, il va nous apporter de l'onctuosité, du goût. Il est vraiment honnêtement très bon en goût et il va apporter ce goût encore supplémentaire parce qu'il n'a pas été dilué. On a quelque chose qui va vraiment bien bien se mélanger avec le risotto. Voilà.
La cuisson, c'est vous qui voyez en fait. Il faut savoir si vous voulez des brocolis qui soient très cuits ou pas trop. Moi, j'aime bien quand les brocolis croquent un peu. Risotto, c'est un peu al dente, il faut que ça croque. Dis-moi, je sens que tu veux me dire quelque chose. On a une question Parlez-moi, parlez-moi. sur la page Carrefour. Premièrement, un de nos consommateurs nous demande si il y a du lactose dans la recette. Alors là, pour l'instant, on n'en a pas. À la fin, comme j'ai ajouté un peu de parmesan, il y en aura un petit peu. Si vous ne voulez pas de lactose, il n'y a pas de problème. Vous mettez le bouillon et s'il vous en manque, vous rajoutez une petite cuillère de bouillon pour faire un bouillon et demi. Ça va vous apporter suffisamment d'onctuosité. Moi, c'est parce que le parmesan, j'aime bien en fait. Mais ce n'est pas du tout une obligation. Vous êtes allergique ou intolérant au lactose? Pas de parmesan, vous ne mettez que le bouillon. C'est vraiment lui qui apporte cette finition au risotto et ce côté très onctueux. Voilà. J'espère que j'ai répondu à votre question, mais n'hésitez pas, hein, posez-nous les questions, on est là pour ça. Hein. Je vais vous dire, je suis assez bluffé par ce bouillon, en fait, parce que réellement, l'odeur me rappelle vraiment le bouillon de légumes. Je me retrouve avec des petits morceaux de légumes dans mon risotto, et vous allez voir la texture que ça donne en finition, c'est assez super. Le risotto. Il est pas mal. Voilà. On va baisser un petit peu. Bon, on est en live, mais je suis obligé de goûter parce que je ne sais pas si c'est cuit, moi. C'est top, ça. Voilà. Encore une fois, à vous de choisir. Si vous voulez des brocolis très cuits, vous laissez cuire encore un tout petit peu. Moi, j'aime quand ça croque, quand ça amène de la mâche. La cuisine végétale, la cuisine végétarienne, ça ne doit pas être ennuyeux, ça ne doit pas être fade. C'est quelque chose qui a autant de goût, autant de peps que la cuisine avec des produits carnés. Donc, jouez avec les textures. J'ai mon riz onctueux, j'ai mes brocolis croquants, je vais ajouter un petit peu de pignon. Il faut vraiment travailler exactement comme avec une viande. Voilà. Là, on est pas mal. Alors, la finition d'un risotto, c'est un petit peu particulier. Je vais couper mon feu. Je vais ajouter maintenant mon petit bouillon. Je vais ajouter mon fromage. Alors, pas de lactose, pas de fromage, hein, on est d'accord. Et là, je le referme. J'ai besoin de faire ça parce qu'en fait, comme mon riz, alors là, il est à peine cuit, il reste un petit peu croquant sous la dent ou au cœur. Ça, c'est mon choix. Vous n'êtes pas obligé de faire le risotto jusque-là. Si vous aimez le riz bien cuit, vous poussez la cuisson un tout petit peu. Maintenant, je le pose comme ça. Parce qu'en fait, je ne veux pas mélanger et casser la texture de mon riz. J'ai juste le bouillon cube qui va fondre dessus. Mon petit bouillon de légumes, il va être parfait. Regardez, dès que je le bouge, ça y est, il disparaît. C'est rigolo comme tout. Il s'enfonce, il se détend tranquillement dans mon risotto. Je ne sais pas si vous voyez bien là au milieu, mais ça me change la couleur, ça me change la texture. Ça fait une liaison très très agréable. Et ça sent super bon. Ça, j'avais pas prévu. En fait, en le rajoutant comme ça à la fin, j'ai oublié de vous le dire, ça m'apporte aussi une belle couleur. Regardez, mon riz qui était un petit peu pâle, hop, prend cette couleur un petit peu dorée. Voilà. Et le bouillon ne nécessite pas du tout de liquide. Donc, si demain vous faites simplement un morceau de tofu, comme on va faire après, vous le faites juste sauter. Vous ajoutez une petite cuillère de bouillon, vous faites une super sauce. Voilà. Moi, mon risotto est prêt. Alors, la façon dont moi je mange le risotto, c'est à peu près celle qu'on m'a expliquée partout en Italie. On va prendre une cuillère s'il m'en reste une. Il m'en reste une. Et on va le dresser dans une assiette un petit peu creuse. Parce que le risotto, on ne peut pas le mouler, on ne peut pas le découper, on ne peut pas le mettre en forme, on ne peut pas le cercler en emporte-pièce. C'est crémeux un risotto. S'il n'est pas crémeux, il est raté. Allez, celui-là, c'est pour ma deuxième recette. On y va. On va venir chercher son riz. Alors, c'est un risotto légumes verts, hein, donc vous n'hésitez pas, vous pensez bien à aller chercher les petits brocolis, les petits pois. Voilà. Alors, au début, on met quelques brocolis, ensuite on met le riz, les petits pois. J'aurais peut-être pu prendre une cuillère un peu plus grande. Ça aurait été plus facile. On a une question. Par Je quel veux pas. légume remplacer Je veux pas. Je veux pas du tout. Par quel légume remplacer le brocoli et les petits pois? Alors,
Ça va dépendre de ce qu'on veut faire. Est-ce qu'on veut rester sur un risotto vert? Dans ce cas-là, on peut mettre... Attends, je finis juste mon risotto. Dans ce cas-là, on peut mettre un petit peu de chou vert, mais vraiment émincé très très finement que vous mettez à la fin pour garder ce croquant. Ou un peu plus tôt, si vous aimez le chou bien cuit. Les asperges vertes, risotto asperges, c'est juste magique. Après, si vous voulez changer la couleur, tous les légumes fonctionnent. Juste les légumes racines, les navets, les carottes, tous ces produits, alors c'est un petit peu fort, mais si vous voulez les mettre dedans, vous les mettez en même temps que les oignons. Donc vous les émincez très finement, vous faites un petit peu d'une julienne, des petits dés, et vous les mettez avec vos oignons. Et ensuite, vous poursuivez votre risotto, il n'y a aucun problème. Et les légumes auront le temps de cuire. Là, c'est du brocoli, ça se mange quasiment cru le brocoli, on peut faire des petites salades. Donc là, il est à peine croquant. Mais si vous mettez des légumes très fermes, vous les mettez en même temps que les oignons au début, et ils cuisent dans votre risotto sans aucun problème. Je finis celui-là. Donc je vous ai dit, au début, j'ai mis un petit peu de brocoli dedans. Après, j'ai terminé avec mon riz, et je vais remettre en surface quelques petits morceaux de brocoli pour vraiment, vraiment, vraiment bien montrer qu'on est sur un risotto aux légumes verts. Alors, le risotto est bien cuit quand en faisant ça, il s'étale. C'est aussi simple que ça. Donc mon risotto est prêt. Petite finition. On ne va pas remettre de gras. Je vous ai dit, on est sur des Nutri-Score A et B. On va mettre simplement quelques pignons. Et c'est parti. Mais quelques pignons juste torréfiés. Alors, j'ai torréfié les pignons un peu à l'avance. Il y a deux façons de le faire. Soit vous les mettez dans le four, 140 degrés, vous aurez une belle coloration uniforme. Moi, je les ai juste fait sauter vite fait à la poêle. C'est important parce que ça donne vraiment du goût et ça fait ressortir la saveur. Pas de sel. Il est déjà très bien assaisonné. On va ajouter juste un petit tour de poivre sur le dessus. Je peux arrêter le live et passer à table? Non, vous ne voulez pas? Donc, on va faire une deuxième recette. Le risotto aux légumes verts est terminé. Voilà. C'est facile, ça va vite. On est sûr que ça ne peut pas rater. Si vous restez devant, comme j'ai fait là, vous aurez un magnifique risotto. On va passer à la recette suivante. Je vais mettre ça sur le côté. Et la recette suivante, elle est un petit peu particulière. Je vous emmène en voyage. On s'en va, on va faire des nouilles sautées à l'indonésienne. Alors, pour réaliser ces pâtes, on va utiliser bien entendu des pâtes, mais on va utiliser surtout du tofu céréales bio. Vous savez qu'avec Carrefour, on a vraiment, vraiment fait très attention à la transition alimentaire. Et le tofu est un produit encore un peu méconnu chez nous. C'est pourtant un produit très facile d'utilisation. Ici, on est sur des protéines végétales, mais qui ont, franchement, c'est la même chose qu'une protéine animale. Vous allez avoir quelque chose de très bon, de très onctueux, consistant. Et on a un vrai avantage avec ça, c'est que ça prend en partie la saveur des produits avec lesquels il est. Donc là, dans mes nouilles, je vais avoir une vraie texture avec la saveur des nouilles, la sauce soja, tout ce qu'on va mettre ensemble dans cette préparation de pâte. Donc je vais juste me faire un peu de place, parce que plus personne ne me l'a fait, la place. Voilà, je vais rechercher mon matériel. Ouais, je sais, j'avais tout prévu. Alors, on va démarrer ici. Cuisson. Donc le tofu, c'est vraiment simple. Ça se présente pour celui de céréales bio aujourd'hui en petit pavé. Si je veux, je prends le pavé comme ça, je le fais sauter. Je cuisine, je me fais mon tofu sauté, quelques légumes, ça marche tout seul. Là, on va faire des petits cubes, mais vous pouvez faire des lamelles, vous pouvez même les grainer pour vous faire des préparations dans les pâtes, un peu des spaghettis, comme vous voulez. C'est très très facile d'utilisation. J'ai mis à chauffer l'eau parce qu'en fait, je vais mettre mes pâtes dedans et on va préparer les ingrédients. J'ai ici mes carottes, de l'ail, mes pâtes. Alors, les petits champignons, je ne les ai pas encore émincés, le tofu non plus. Et ici, on va être sur la sauce soja. Alors, ma sauce soja est prête. Vous allez voir, c'est facile, c'est rapide, c'est vraiment pas cher et c'est très bon. La seule petite précaution avec ces pâtes, c'est qu'il faut être sûr d'en faire assez parce que vraiment, vous allez vous régaler. Il faut les faire au dernier moment. Ça va vite à faire. On ne va pas perdre de temps, on fait ça au dernier moment. J'ai besoin de deux récipients, c'est tout ce qu'il me faut. On va commencer. J'ai fait chauffer l'eau pour les pâtes qui cuisent en 2-3 minutes, donc on n'est pas pressé. On va mettre maintenant un petit peu de sauce soja. Et dedans, hop, je vais aller rechercher une cuillère. Bon, vous n'avez pas de questions, c'est que j'explique bien. Hein. Pas de questions? Alors, les explications sont claires. J'ajoute les gousses d'ail. Alors, l'ail, moi, j'ai choisi de l'émincer. Vous pouvez très bien l'écraser si vous voulez. Ça marche très bien, mais moi, j'ai préféré émincer. J'ai une question. Est-ce qu'on peut ajouter un peu de gingembre pour parfumer? Et si oui, à quel moment?
Alors, ça va dépendre de ce que vous voulez mettre en gingembre. Ça dépend de comment vous aimez le gingembre. En vrai, le gingembre, c'est quelque chose qui va donner beaucoup de parfum, qu'on peut mettre dès le début. C'est-à-dire que je peux le mettre maintenant pour commencer vraiment à parfumer. Mais là, je vous conseille de mettre des morceaux assez gros et de les retirer. Parce qu'en fait, ça pique un peu le gingembre. Si vous voulez le garder, il va falloir le râper. Vous utilisez une petite râpe microplane ou une râpe dans ce style, quoi, pour avoir quelque chose de très très fin, pour ne pas retrouver ces morceaux de gingembre qui vont être un petit peu désagréables sous la dent. La texture est bonne, mais le goût est un peu costaud pour nous. Donc ici, j'ai mes gousses d'ail qui sont bien. Voilà. En fait, la sauce soja va me servir d'assaisonnement. Elle va me servir aussi, je vais en remettre un petit peu. Voilà. C'est ce qui va me servir de base gustative, parce que c'est vraiment elle qui va apporter la rondeur au plat. On pourrait, si on veut, finir ce plat avec un petit peu de zeste de citron. Nous, on va faire très très simple. Je vous ai dit, on est sur des cuisines vraiment vegan, végétales. On est sur des choses très bonnes, mais très simples. On ne veut pas faire compliqué aujourd'hui. Bon, jamais, j'aime pas quand c'est compliqué. Le tofu, alors vous êtes prêts? Je vous ai dit que c'était facile. Regardez. Ça se coupe tout seul. Voilà. Je fais des jolis cubes. La taille des cubes, c'est vous qui choisissez. Moi, je vais les faire pas trop gros parce que j'ai envie qu'ils soient bien imprégnés de sauce et qu'ils se mélangent bien à mes pâtes. Voilà. Mais si je veux faire des lamelles, bah, je fais des lamelles. Ça bouge pas, je vous assure, c'est vraiment... Ça fonctionne très bien. Alors, c'est un produit qu'on consomme pas encore trop chez nous. Hein. En Asie, c'est vraiment quelque chose qui est très très commun. On le fait frit. Alors, frit, c'est top. Juste légèrement pané et mis en friture, c'est super bon. Mon ail est en train de cuire, je vais ajouter les légumes. Alors, carottes émincées, vous pouvez les râper si vous voulez les râper, vous les coupez en petits dés, c'est pas important. Ce qui est important, c'est de les ajouter maintenant. Hop. On n'a pas besoin d'avoir des légumes très cuits. Là, aujourd'hui, ce que je veux, c'est que ce soit chaud et que ça ait du goût. Mes champignons, on va émincer les petits champignons également. Alors, je ne les ai pas coupés avant parce qu'en fait, le champignon noirci, donc on le fait vraiment au dernier moment. Il n'y a pas besoin de le faire longtemps avant. Voilà. Hop. On en met encore un. Allez, encore un. Les carottes sont mises un petit peu avant les champignons parce que les champignons, ça cuit très vite. Donc, il n'y a pas besoin d'aller vite. Oh là, ils ont pris le micro, c'est qu'il y a une question. J'ai une petite question. Vas-y. C'est de la sauce soja sucrée ou salée ? Alors là, ici, je me suis servi des deux. J'ai mis un peu des deux, mais c'est à vous de choisir. Dans la cuisine que je fais d'inspiration asiatique, j'aime bien qu'on ait cette balance entre le sucré et le salé. On peut même, là, on ne va pas en mettre, mais si vous aimez ça, on peut même ajouter un petit peu de piment frais à la fin. Vous ajoutez un petit peu de piment rouge, ça va relever un peu la sauce, un trait de citron vert. On peut vraiment s'évader. Là, c'est d'inspiration de cuisine indonésienne, donc on fait comme on veut. J'ai 3 minutes de cuisson sur mes pâtes, mais j'ai encore un peu de cuisson sur mes carottes. Je vais maintenant ajouter mes champignons. L'ordre de la recette pour celle-là, c'est assez aléatoire. L'important, c'est de faire les carottes en premier et ensuite champignons et tofu. Le tofu est déjà cuit. C'est un produit que vous pouvez consommer comme ça. Là, nous, ce qu'on va chercher à faire, c'est à le mélanger. Et comme il fixe les saveurs, ici, je suis sûr que j'aurai les saveurs de l'ail, du soja, de la sauce soja, du champignon, de la carotte, qui vont se mêler à mon tofu pour donner plus de goût à mes pâtes. Voilà, ça, c'est quasiment cuit. Et on y va. Hop. Tout doucement, je vais laisser cuire. Je plonge mes pâtes. Alors le soja qui est dedans va colorer, ma sauce soja va colorer mon tofu, donc je vais le retourner exactement comme on fait avec les protéines animales. On va travailler gentiment dans sa poêle pour donner du goût. C'est une recette vraiment simple, ça va vite, c'est plein de saveurs. Et là, on a vraiment, vraiment j'allais dire un substitut, mais ce n'est pas un substitut en fait. Ce n'est pas un substitut aux protéines animales. C'est vraiment une protéine végétale. Il ne faut pas du tout la considérer comme à la place d'eux. Ça fait partie de notre alimentation et c'est quelque chose qui va vraiment être dedans. WWF se bat pour ça, pour nous montrer que la protéine végétale est au moins
aussi intéressante que la protéine animale. Je retourne mon soja. Le problème, c'est que j'ai fini la recette là. Charlotte, as-tu des questions ? Non. Charlotte a dit pourquoi moi ? Ben parce que c'est toi qui me poses des questions. Voilà. Mes carottes sont cuites. On va tricher un tout petit peu. Le bouillon de cuisson de mes pâtes, un peu comme les recettes italiennes, je ne vais pas le perdre. Voilà. J'en ajoute juste un tout petit peu. Ça va me permettre de terminer la cuisson. Voilà. Est-ce que c'est obligé de faire cette recette sautée dans un wok ? Alors, on peut le faire à la poêle, on peut le faire dans une cocotte. L'avantage du wok, c'est qu'en fait, vous avez vu, quand j'ai mis mon soja au milieu, mon tofu dans le soja, j'ai écarté un peu mes légumes sur les côtés. Ils continuent à cuire, mais ils ne sont pas au contact de la chaleur directe. Donc ça permet d'avoir quelque chose de plus harmonieux en termes de cuisson. Maintenant, si vous n'avez pas de wok, aucune excuse, ça fonctionne quand même. Mes pâtes sont cuites. On va aller chercher les pâtes. Alors, on ne les égoutte pas trop. Juste comme ça. On fait attention à ce que ça passe bien de l'un à l'autre. Voilà. Hop. On aurait pu jouer avec des baguettes aussi, hein, si on avait eu. Et dès que vous ajoutez les pâtes, par contre, on va couper le feu. Ça y est, j'ai éteint mon feu. Et maintenant, je vais mélanger l'ensemble. Alors, je vous dis, on pouvait faire avec les baguettes. Là, on va se contenter de travailler à la pince. Ça marche aussi très bien. Et maintenant, j'ai tous mes parfums qui se mélangent. Mes pâtes, alors 3 minutes de cuisson, donc c'est quasiment instantané. Elles vont vraiment fixer les saveurs. Elles vont servir de base au plat. Oui, Charlotte, dis-moi tout. J'ai une autre question sauce. Est-ce qu'on peut ajouter de la sauce huître avec, dans ce genre de préparation ? Bah, l'idée est très bonne, mais on est sur du végétal. Donc là, nous, on est parti sur végétal, végétal, végétal. Maintenant, si vous le souhaitez, évidemment que le tofu va se marier avec la sauce d'huître à merveille. Je vous dis, c'est une protéine végétale qui est assez, elle est assez sympa. En fait, là, elle accepte du végétal sans problème, mais vous pouvez aussi la mettre avec de l'animal. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez mettre avec des huîtres, vous pouvez mettre avec des poissons, vous pouvez le mettre avec un petit peu de sauce de volaille si vous voulez. Ça fonctionne très, très, très bien. Mais là, ce soir, normalement, c'est lundi. Alors, suivez-nous parce que lundi, c'est veggie, mais on a décidé de le faire aussi le jeudi. Donc, jeudi, c'est veggie aussi. Et là, vous voyez, tout à l'heure, on avait encore l'eau de cuisson, un peu de sauce soja, et là, tout a été absorbé. Je vais avoir quelque chose de très bon en saveur. Par contre, on est peut-être un petit peu fade en couleur. C'est pour ça qu'on a prévu un peu de persil plat, qu'on va juste ciseler, donc couper avec une paire de ciseaux, vraiment ciseler, tout simplement, dans mon bol. Je prends mon bol, je prends mes pinces. Alors, première chose, on fait la base du plat. On ne va pas tout mettre, on en a pour au moins deux personnes là. Je lève mes pâtes, je glisse mon bol et je fais un petit décor. On va répartir pour deux. Comme tu m'as posé les bonnes questions, Charlotte, l'autre bol, ce sera pour toi. Voilà. Et maintenant, on répartit mon tofu, mes petits légumes. Alors, pas de sel, pas de poivre, puisqu'en fait, ma sauce soja sert de base d'assaisonnement. Éventuellement, je vous ai dit tout à l'heure, un petit piment rouge, peut-être un tout petit peu de zeste de citron vert si vous aimez ça. Et c'est parti. Mon bol est prêt, je vais le mettre là en attendant. On va prendre un petit peu de persil. Et c'est parti. Alors, on peut mettre de la coriandre, on peut mettre de la ciboulette, on peut mettre un petit peu d'oignon vert. Là, on est vraiment dans le végétal, donc faites-vous plaisir. Et pourquoi pas mettre l'ensemble.
Quelque chose qui va très bien avec, mais là on n'est plus trop indonésien, c'est quelques feuilles de menthe. Ça se marie très très bien aussi avec le tofu, la menthe. Voilà. Hop. Allez, je vais en remettre un parce que j'aime ça. Et voilà. Si les ciseaux veulent partir. On vient de faire deux recettes qui sont, allez, à l'exclusion du tout petit peu de parmesan que j'aurais pu m'abstenir de mettre, réellement, réellement, purement légumes. Là, on est quand même dans quelque chose qui va être végétarien sans aucun problème. On a beaucoup de goût, on a des couleurs, on a des saveurs. Vous avez vu, ça va vite. On vient de faire deux recettes en, je ne sais pas, une demi-heure à peu près. C'est assez rapide et on a quelque chose de très, très bien. Oh là là, elle m'entoure tout. Qu'est-ce que tu m'entoures? Tu m'as dessiné un A. Donc là, un A sur un tableau, je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais en tout cas, moi, je vous dis, on va continuer à travailler avec que des végétaux. Tout est prêt. Vous avez les recettes, vous avez les ingrédients sur carrefour.fr. J'espère que ça vous a plu et que vous allez vous mettre aux végétaux. À bientôt !